Ah, les gens, j'espère que vous allez bien. Écoutez, les matchs hier se sont super bien passés, ça fait plaisir. Alors, j'ai super bien passé parce que tu vois, ça passe toujours mieux sur la chaîne de dire que ça s'est super bien passé. Il y a eu quelques galères, je vous l'accorde. Il y a eu quelques complications, je vous l'accorde. Mais pour moi, c'était une grande première. Alors, je suis en plein milieu de mon repas, de mon petit bobounes. Mes collègues devraient arriver d'ici un petit quart d'heure, si tout va bien. Et donc, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais diffuser le match donc, que j'ai joué hier contre Steve. Steve, et je tenais à m'excuser par avance, Steve, je suis vraiment désolé parce qu'au niveau de l'organisation, ce n'était pas trop ça. J'étais effectivement dans le chat vocal, tu me demandais dans le chat textuel. Donc, du coup, ouais, je n'ai pas vu tout de suite. Heureusement, Dorian m'a prévenu. Et voilà, donc je m'excusais par avance. Et du fait aussi de pas. Bon, j'étais pas super concentré. Par moment, tu as senti que j'étais un peu long à écrire. Parce que j'étais concentré sur un autre truc. D'autant plus que j'ai eu retour audio que vous n'avez pas, mais de quand je parlais justement sur le Discord. Donc pour tous ceux qui sont venus sur Discord, franchement, ça m'a fait trop plaisir. C'était un bon moment de partage, un bon moment d'échange ensemble. Comme je disais, peut-être mieux organisé, c'est plus sympa. Je me rends compte qu'effectivement trop de monde sur le Discord, c'est le bordel. C'est chaud, parce que voilà, les temps de parole, voir qui va parler, sur quoi, etc. C'est assez compliqué. Donc on va voir éventuellement comment on pourrait diviser les choses ou se retrouver sur un serveur vocal général. Et puis après, donc j'en profite aussi pour commenter le match. Putain, c'est compliqué avec le retour. Je devrais éteindre le son. Attends, juste je coupe parce que. En même temps qu'il parle, voilà, j'espère que ça va pas le micro, mais je m'entends en même temps qu'il parle dans le Discord en vocal. Donc ouais, pour ceux qui sont venus, franchement, je pense qu'il y a plein de belles choses à faire. Maintenant, il faut chercher le truc plutôt que de chercher à construire plein de petits trucs parce que j'ai plein de petites idées. Essayez déjà, comme fait Google en fait, hein, de mettre en place les bases, de mettre en place les petites idées. Et puis petit à petit, de voir si c'est fonctionnel. Si une idée est fonctionnelle, en rajouter une autre. Si, voilà, et au fur et à mesure, etc. Là, c'est vrai qu'avec cette idée de fichiers qui sont un petit peu partout, bon, ça vous permet quand même d'avoir un visuel, tu vois. Ces fichiers, je les mets quand même à jour. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, ce match contre Steve, bah écoute, Steve est plutôt bon joueur. Bon joueur. Un bon joueur, parce que bon joueur, ça veut dire que voilà, il est cool. Non, non, il est plutôt un bon joueur. Je pense sur le premier match, il y allait tranquille, parce que j'ai pas senti beaucoup de difficultés, que j'ai ressenti plus dans le deuxième, et qu'on verra ensemble. Donc là, on voit son level, il a les pions France Premium, il a 59% pour un level 108, ce qui est plutôt un très bon ratio. Et donc là, je fais une tentative très intéressante, tu vois. Très intéressante, qui aurait pu prendre l'angle. Mais moi, je la voyais plus monter. Hein. Pour te dire la vérité, je ne la voyais pas forcément aller vers l'angle, mais plus aller vers le haut. Est-ce que je peux te montrer? Ah merde. Ouais, plus aller vers le haut que de faire ça. Donc là, ouais, c'est le match que j'ai enregistré hier. J'avais tenté de faire un stream justement avec YouTube Gaming que j'ai lancé, qui a planté au bout d'une heure. J'ai essayé de le faire en 4G avec justement la puce de Free. Donc en 4G, ça marche plutôt bien, beaucoup mieux que mon ADSL parce que franchement en ADSL, on ne voyait rien. Que là, au moins, j'avais plutôt une bonne qualité d'image, pas très stable, il y avait des clignotements chelous, mais plutôt une bonne qualité d'image et de son. Donc ça peut être pas mal. Après, de votre côté, ça ne marchait pas forcément. Vous me disiez qu'il n'y avait pas de flux ou je ne sais pas. Alors, moi, j'ai testé sur un autre de mes téléphones, ça marchait. Pour certains, ça a marché. Donc, voilà. Il y a un autre truc, tu vois, à mettre à jour. Ce serait intéressant, soit via Chou, soit via YouTube Gaming, de pouvoir faire les matchs en live, de mettre un lien, que les autres puissent voir le match et éventuellement le commenter. Pour ceux qui ont plutôt une bonne connexion et qui peuvent se permettre de faire ça, ou qui ont de la 4G, etc., etc., etc. T'as vu? Que va faire Steve là-dessus? Moi, je m'attendais à ce qu'il tire plus fort. Vas-y, on l'a déjà vu tout à l'heure. Pourquoi je remets là-dessus? Je m'entends pas, mais c'est peut-être que je redisais quelque chose à ce moment-là. Mais là, par contre, en revoyant, je n'aurais pas prise comme ça. J'aurais fait un rebond contre le mur avant, mais pas comme ça. Mais tu vois, c'était plutôt intéressant. J'ai bien fait de la prendre comme ça, en fait. Et c'est un but. Donc quoi, ouais, tu vois, le premier match, donc là, je le gagne, ce match-là.
Et donc, comme j'ai indiqué dans les règles, on fait deux matchs. Le premier match, il compte pas. Le deuxième match, il compte. Donc, on repart contre Steve. Et là, ça compte pour de vrai, tu vois. Donc, c'est son engagement. Mon engagement, alors j'aime pas encore engager avec cette formation. J'essaie de trouver justement un engagement sympa. Moi, je vois que de toute façon, c'est surtout le pion de devant que je peux utiliser pour engager. Les autres n'ont pas vraiment l'accès. Donc voilà, je me suis mis en protection dès le début, sachant qu'en face, j'avais une formation assez couvrante. Ça se dit assez couvrante? C'est bien couvrante? Ça fait chelou, je trouve. Assez couvrante. Donc voilà. Et donc, je me suis dit, bon, juste après ça, là, il fait son truc, là, et puis je vais casser sa défense. J'attends tranquille. Bon, il fait son truc, hop, là, je vais casser sa défense. Ah, non, non, tout compte fait, non. Bah, tu vois, telle qu'elle est positionnée, moi, je pourrais la marquer. Donc, je vais d'abord assurer la protection de mes cages en mettant le ballon bien dans le coin, et bien plus compliqué de le. Donc là, je sens, il aurait pu effectivement un peu plus pousser, la ramener, il y va tout doucement. Ce qui peut-être peut laisser penser à une opportunité de mon côté d'aller péter sa défense, mais mon pion étant un petit peu écarté du mur, je sentais la percée un peu venir, et surtout que mes trois pions de derrière, à part guider le ballon vers l'intérieur de mes cages, ils ne pouvaient rien faire d'autre. Là, il va faire c'est très logique ce qu'il fait. Très logique. Ce que je dis non n'est pas très logique, mais ce qu'il fait est très logique. Malheureusement, voilà, manque d'anticipation sur le toucher du pion. Je n'ai toujours pas cassé sa défense. Là, je me dis, il va la compresser, mon pion va rebondir contre le mur, on va revenir. À ce moment-là, elle va passer derrière le pion et puis elle va rentrer dans les cages. Ça aurait pu être ça. Donc non, il fait plutôt un tir doux. Et là, c'est à ce moment-là que je profite pour péter sa défense. Là, je me dis, c'est bon. Là, c'est bon. Là, je peux y aller. Il n'y a pas trop de risques. Il n'y a pas trop de risques. Potentiellement, bien sûr, tu peux marquer là-dessus, hein, en jouant la défense. Mais voilà, c'est pas comment dire, c'est pas un truc forcément simple. Il est très bon, ce Boboon, hein. Franchement, je vous conseille. C'est dans le nord de Paris, enfin dans le nord. Bon, là, je ne crois pas du tout, vu sa position. Forcément, elle pouvait partir que vers le bas. Mais potentiellement, je m'étais dit, au moins, il irait se placer en bas de l'autre côté. Et en bas, j'ai plus de pions qui le gênent que sur la partie haute du terrain. Et voilà. Voilà, les gens. C'est comme ça qu'a débuté mon arrivée dans le tournoi, et que c'est terminé mon arrivée dans le tournoi. Donc j'ai tenu juste les premières présélections. Donc là, on arrive au quart de finale. Donc vous allez être 8. N'importe quoi. Si, si, 8. Donc 8 à jouer. 16 à jouer. Ouais, j'aime bien dire de la merde. Vous allez être 16 à jouer. Donc le fichier là, il va être mis à jour et vous allez avoir toutes les infos. Il y en a qui doivent encore jouer, qui n'ont pas joué hier. En pardon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai été coupé pendant que le truc il enregistre. Tu vois, le téléphone, il se m'enveille. Chelou quoi. Donc là, je vous laisse avec un match avec Quentin. Pour le reste de l'actualité, je pense réaliser la suite mardi. Je vous confirme ça demain pour être sûr, parce qu'il faut que je mette tout ça en place. Hein. J'ai une vie à côté, donc du coup, c'est pas genre, c'est mon taf YouTube, donc je ne dois rien à personne, vous ne devez rien, ok? C'est juste que voilà, il faut que je trouve des disponibilités pour pouvoir être avec vous. C'est un plaisir d'être avec vous. Il faut que ça reste un moment de plaisir et pas un truc galère ou compliqué à gérer. Ou à gérer, etc. Pour le moment, ça reste un plaisir, il n'y a pas de souci, il y a bien le côté freestyle, mais bon, ça, moi j'aime bien être organisé, tu vois. Moi, je suis comme ça, dans la vie de tous les jours, j'aime quand les choses sont claires, nettes et précises et organisées. Mais
Ça, c'est depuis peu. Avant, j'arrivais à gérer justement le fait que le truc soit pas organisé et qu'on y aille freestyle. J'aime bien le freestyle aussi, tu vois, du coup. Donc, ça fait que ça ne me dérange pas du tout. Donc, à la limite, voilà, que c'était un peu freestyle, tu vois, j'ai pas été trop stressé. Ça m'a pas. Voilà. Mais ça m'a fait chier, surtout pour vous, de me dire ah, ça manque un petit peu de pep, ça manque de tout un tas de choses. Joli but, là, Quentin, joli. Tout un tas de. Voilà. Donc, on se rôde. Comme je vous disais, c'était le premier. Et puis, voilà. Avec le temps, les choses vont aller en s'améliorant. En tout cas, pour la plupart, vous avez appris à connaître Discord maintenant. Vous savez ce que c'est. Vous voyez la puissance de la plateforme. J'ai même vu après coup et même ce matin en allant au boulot que voilà, certains y étaient encore. Bon, c'est cool. Ça reste quand même un petit lieu d'échange pour ceux qui veulent jouer et pour créer une communauté France puissante. Et qui puisse être dans les tops. Oh putain, il est beau ce but, hein? Hein? Il est beau. Qui puisse être dans les tops. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir et je ne vous le redirai pas assez parce que ça donne. Je ne sais pas si j'ai vraiment donné l'impression, mais oui, ça m'a fait plaisir. Ensuite, après, de pouvoir jouer avec certains d'entre vous à part. Vraiment, c'était une expérience vraiment nouvelle qui change au niveau du jeu et qui crée justement un esprit un peu plus communautaire dans le jeu. Et c'est ça que j'ai trouvé sympa. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo où je suis relou, où je parle beaucoup. Est-ce que je vous commente la fin du match? Avec ouais, je vous laisse quand même la fin du match contre Quentin. Alors là, c'était plutôt un match golasso. Donc c'est pas un match où on marque, on cherche à marquer à tout prix. Mais à faire un beau truc. Là, je vais m'appuyer sur son pion. D'ailleurs, il me semble qu'à juste après, je marque un beau but. Du coup, comme c'est pas un. Est-ce que c'est là? Ouais. Regarde ça. Regarde ça. Franchement, on peut terminer là-dessus. Bien ou pas? Ça fait plaisir ou pas? Tu l'as vu venir ou pas? Moi, j'ai vu venir. Ouais. C'est exactement ce que je voulais faire. Et ça m'a fait plaisir de voir que ça a fait exactement ce que je voulais faire. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir comme ça, de pouvoir parler, jouer avec vous, etc. Et on doit renouveler l'expérience parce que franchement, c'était bien. Allez, ciao les gens. Juste pour vous dire, en revoyant le but, le Mizu au Nutella, il est trop bon. C'est une tuerie, je te jure. Je te le conseille, vraiment, je te le conseille. Allez, ciao les gens.